I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead. What's up tout le monde, c'est Chris, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News. En fait dans cette vidéo je vais vous parler d'une nouvelle webcam proposée par Logitech. Alors je ne pense pas que cette vidéo risque de plaire à tous les gens qui me suivent sur le web, parce que les webcams ça ne plaît pas à tout le monde, en effet. Mais moi ça m'intéresse beaucoup, c'est pour ça que je vous propose cette vidéo. C'est assez con mais c'est comme ça. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que moi j'utilise actuellement la C920 et que là en gros on va passer à la C922 avec quelques petites modifications, sachant que le prix normalement devra rester quasiment le même, 99€. Normalement ce genre de webcam c'est réservé aux streamers, c'est-à-dire aux personnes voilà qui vont faire des streams et tout sur internet. Et puis on peut aussi l'utiliser sur Skype vraiment partout, hein. C'est une webcam qui filme en 1080p et la nouvelle webcam, la C922, en gros peut filmer aussi en 60 images par seconde. Donc vraiment une très bonne fluidité avec aussi de la 1080p, donc on est vraiment en Full HD et ça, ça fait aussi assez plaisir. Par contre, c'est vrai qu'on reste toujours avec un câble USB 2.0, mais de toute façon, c'est soit pour mobiliser du son et de la vidéo. Bon, après, voilà, c'est assez dommage là-dessus, mais de toute façon, on s'en fiche un peu. Ainsi que la caméra C922 dispose aussi d'un microphone intégré, comme d'habitude, et Logitech va le livrer avec un trépied. Alors, le microphone en lui-même, là, sur la C920, moi, j'aime pas du tout. Je prends juste la vidéo et le son, en fait, je le prends depuis mon micro parce que je trouve pas terrible. Après de toute façon vu que c'est assez petit et assez compact la C920 ou C922, je pense pas que le micro soit très bonne qualité, mais on va dire en termes de vidéo c'est très fluide et j'aime beaucoup tant qu'il y a bon, on va dire un assez bon éclairage. Donc il y a un trépied aussi qui est délivré qui peut aller jusqu'à à peu près 18 cm je crois de hauteur. Donc ça aussi c'est assez cool et puis ça permet d'avoir on va dire un peu un champ de vision un peu plus on va dire un peu plus cool pour le téléspectateur qui veut regarder aussi et bien le stream où tu peux voir la personne avec son visage et sans que ça bouge, donc un trépied, donc c'est assez agréable et c'est livré avec pour 99,99€ TTC tout compris. En fait moi je risque de demander donc à Logitech de m'envoyer ce produit là parce que ça m'intéresse et parce que moi j'utilise le C920, enfin je l'ai payé à la Fnac qui m'a coûté assez cher, je crois une centaine d'euros, et que voilà j'aime bien tester le C922. Donc dites moi si ça vous intéresse une vidéo unboxing sur ce produit là. Moi je trouve que franchement c'est une super webcam, on va être cash, on va être franc, je vais être franc avec vous, c'est que le micro c'est pourri et c'est pour ça que c'est vrai que c'est bien d'avoir des micros assez gros, et encore celui-là c'est juste le Blue Yeti tout simple, j'ai le Blue Yeti, enfin j'avais le Blue Yeti Pro, donc c'est vrai que plus c'est gros mieux c'est, après ça dépend aussi mais voilà là c'est vraiment tout compact. En termes de coque, la C920 et la C922, ces deux webcams vont garder à peu près le même design, donc on pourra pas vraiment différencier ces deux produits là, mais c'est juste que en gros et bien la C922 sera un peu plus fluide, de toute façon c'est au même prix et je crois que la C920 est sorti en 2013-2014 peut-être, donc ça fait un bon petit temps que Logitech n'a pas proposé de webcam, c'est froid. Et puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out les gens.